Oui, on se retrouve tous, et là c'est vraiment chouette, c'est très très chouette. Parce que d'habitude on est toujours seul, chacun, Ouais, toujours séparés. parce que c'est que des stars qu'on double. On est tout seul, et là on se retrouve tous, on est combien? 8, 10, 12, je sais plus. Et donc on se régale, quoi, on s'amuse. Parce que c'est vrai qu'on connaît souvent les. On va dire, enfin, on a souvent les plus récurrents, ceux qui reviennent le plus qu'on connaît, avec Stallone, avec Bruce Willis, Schwarzenegger, mais il y a aussi Chuck Norris. Ouais. Et puis, alors j'en oublie aussi, Oui, il y en a plein. Il y a toute une équipe, Je sais plus, effectivement, ouais. d'une douzaine. Et à chaque fois, du coup, ça, enfin, c'est la première fois que ça vous donne. Est-ce que c'est une des premières fois où il vous a été donné de vous retrouver comme ça Oui, c'est la première sur un fois. doublage? D'ailleurs, c'est pour cette raison, je pense qu'on a fait plein d'interviews sur ce film, sur ces films. Et toi, comment t'es arrivé en être casté pour Schwarzenegger? Comment ça s'est passé? Tu ne connais pas l'histoire? Non. Alors, je sortais des SIS et il y avait un copain qui était là qui s'appelait Max, qui parlait avec une dame que je connaissais mais qui ne me connaissait pas, c'est Jacqueline Porel. Et j'ai dit au revoir Max, au revoir madame. Et il dit à Max, rappelle ton copain. Et je reviens, il dit, est-ce que vous pouvez m'appeler demain à 11 h précise avec un accent russe et la voix la plus grave possible? J'ai dit, oui, mais vous l'avez déjà fait. Je dis, non, non, oui, bien sûr, mais c'est pas vrai. Et appelez-moi à 11 h précise, comme ça. Et le lendemain matin, j'étais à Orly, je prenais mon avion pour chez moi. J'appelle, allô, bonjour, je voudrais parler, madame Jacqueline Porel, s'il vous plaît. Et j'entends derrière, let's do it again, let's do it again, speak. Et donc, je continue un petit peu, et j'entends la grosse voix qui fait, he got the job. C'est la première fois, je crois, qu'un casting s'est fait comme ça, et au téléphone, et avec l'acteur. Il y avait Schwarzenegger qui était à Oui, qui était dans le bureau, ouais. D'accord. Ouais, il discutait de la production. Tu l'as rencontré Et non, on s'est raté 5 fois. 5 fois. 3 fois à cause de lui, 2 fois à cause de moi. D'accord. Parce que je sais qu'il y en a certains qui ont rencontré leurs alter ego, oui, comme Patrick oui. a rencontré Bruce Willis. Non, pas encore. J'espère que ça viendra. Enfin bon, c'est pas une priorité. Il a fait un passage, je crois, il n'y a pas longtemps sur Paris. Oui, il a été voir le président. Voilà. Est-ce que tu as tes projets donc enfin à part effectivement ceux dont on vient de parler avec Conan, les triplés, est-ce que les projets en dehors de dans ça, le théâtre, la chanson Théâtre non. J'ai arrêté parce que j'ai des pertes de mémoire et je veux pas prendre de risques et faire prendre des risques aux autres. La chanson non, j'écris toujours des chansons que je ne place pas parce que j'aime pas aller frapper aux portes. Mais j'ai une quinzaine de bonnes chansons là, qui attendent chez moi, au chaud. Non, sinon, bah, les dessins animés, un petit peu de doublage. En dehors de Schwarzenegger, il n'y en a pas beaucoup. Ouais. Parce qu'on dit, non, on va pas prendre la voix de Schwarzy, non, on le reconnaît trop. Alors que je fais d'autres choses. Ouais, tout à fait. Ouais. Enfin bon, mais c'est comme ça. C'est déjà pas mal, mais on reparlera des chansons. Ouais. Hors champ. Alors on va finir cette émission en fait parce que je t'ai gardé quand même une petite surprise pour la fin. Ouais. Alors bon, je prévois toujours, je décris gros, je le tape gros comme ça si la personne n'a pas ses lunettes, il le voit quand même. Je voudrais que tu me fasses simplement 2 petites répliques à mon intention. Tu vas les reconnaître tout de suite quand tu m'as devancé tout à l'heure. Je veux tes vêtements, tes bottes et ta moto. Hasta la vista, baby. C'est génial. Je reviendrai. C'est génial. Je t'en remercie, Daniel. C'est moi, c'était sympa. Ça a été un vrai plaisir de te recevoir. Merci à toi. Ciao, ciao.